leur bonjour et puis ensuite à féliciter les organisateurs de cet atelier de réflexion parce que c'est un sujet très important. Nous avons des valeurs dans notre éducation, dans notre culture et aujourd'hui ce sont ces valeurs-là qui disparaissent. Alors, avec le même culte de félicitations de venir assister à cet atelier et sincèrement je vous remercie. Merci. Oui, au vu de la participation et de l'interaction de chacun des participants. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé. Et ce que nous espérons, c'est que dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être même demain, que tout ce que nous avons réussi à semer aujourd'hui dans la tête de ces participants-là puissent commencer à porter fruit. Ce matin pour venir assister à cette rencontre de l'ONG. Vraiment, j'ai été très satisfait de savoir que le bénévolat, c'est vraiment quelque chose de sociable qui permet à l'homme de vivre en pleine harmonie avec ses voisins, ta communauté. Vraiment, ces expériences me permettront encore plus de répartir sur mon village, partager avec mes amis, mes frères, mes parents, pour dire que ce n'est pas seulement le moyen financier qui peut nous mettre à l'aise, mais plutôt le geste personnel, c'est la meilleure des choses. Concernant l'entrepreneuriat à l'ONG qui a été lancé, je dis clairement, je dis merci, parce que aider une population ou bien aider une personne, deux personnes, comme axe, c'est important. Donc je remercie encore une fois encore l'ONG qui est venue. Au sorti d'ici, ce que je peux dire à tous mes petits frères, mes frères et tout, c'est pour l'essentiel, une seconde fois encore, contre les élections qui vont approcher bientôt, les sensibiliser, et que mon futur projet que j'ai au niveau de la population, une personne, un ab. Quand il passait, les enfants se montrent à chaque fois. Et puis ça m'a touché. Je suis passée à la maison, je me dis à moi. Si bien, c'est quelqu'un qui a six ans, on appelle ça des mots. Maintenant, pourquoi on le fait? Il dit non, pourquoi t'approcher? Ça, c'est ce que je veux dire. Pourquoi t'approcher? Et donc, lorsqu'il a reçu un message, je lui ai dit, c'est un message, il a dit, si on fait des ateliers, est-ce que tu es capable d'arriver devant les grandes personnes pour les enseigner ce que tu sais? Il n'y a pas de souci. Et c'est ce qu'on a fait, et ça fait. J'avais déjà fait un geste et je ne savais pas ce que ça signifiait. Mais grâce à cette conférence qu'on a eue aujourd'hui, je sais aujourd'hui que vraiment, qu'est-ce que le bénévolat. Voilà. Vraiment, je suis heureux, je suis content. Ça fait du bien quand on aide ses proches sans attendre quelque chose en retour. Donc moi-même, je vais m'engager désormais à essayer de voir les autres frères qui n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est que le bénévolat. Pour que, jusqu'à ce que vous reveniez, on soit intégrés aussi dans cette ONG. Nous sommes aujourd'hui à Bengourou
pour la 10e étape de la caravane, je m'engage pour ma nation, ma patrie, la Côte d'Ivoire. Il y a un constat qui se dégage, c'est que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, les populations se sentent moins impliquées, moins intéressées par le message que nous leur portons. Cela est dû au fait aussi, et c'est au constat que nous avons fait, que ces valeurs-là se perdent, vu la modernisation, mais cela nous amène à redoubler les ardeurs, à être encore plus motivés, parce que nous savons justement que le besoin de faire savoir à nos populations ou aux personnes qu'il faut être des bons bénévoles pour être de bons citoyens. Le bilan, il est totalement positif. Nous n'attendions pas d'avoir autant de personnes intéressées, autant de bons retours sur ces différentes villes que nous avons traversées, depuis Ferke jusqu'à Béoumi et autres. Un merci à M. le maire, à M. Kakoutier, qui spontanément est passé nous livrer un message et avec qui nous garderons de bons contacts pour pouvoir implémenter certains projets. À tous les maires de Niakara, M. le maire de Korogo, M. le maire de Ferke, M. le maire de Béoumi, tous les M. le maire de Fono, malgré leur absence, pour certains, ils nous ont donné des personnes, des collaborateurs, afin que nous puissions mener à bien notre activité. Encore un merci à l'ambassade des États-Unis qui nous permet de pouvoir nous déplacer et pouvoir faire cette caravane avec toute l'équipe. Merci aux populations, merci aux bénévoles de Maui Network et des autres activités. Je suis Traoré Abdoulaye. Je me nomme M. Aka Kwaku Bruno. Je me nomme Yao Passi Ange. Je suis Stéphane Ouattara. Pour ma communauté, je m'engage. Je m'appelle Konan Anissé Ebundesou. Pour ma Côte d'Ivoire, pour ma nation, pour ma patrie, je m'engage à être un bénévole, à être un volontaire. Pour ma communauté, pour avec nous, je m'engage.